Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien, moi très bien. J'ai reçu la Webbox aujourd'hui et du coup je voulais l'ouvrir avec vous. Elle n'est pas encore ouverte, j'étais pas encore été faire ma curieuse. Du coup voilà, on va s'ouvrir ça tout de suite. J'espère que vous allez bien. Que vous avez des bonnes lectures. Moi c'est pas le top pour le moment. Du coup ça se présente toujours comme ça. Bon je suis désolée pour la lumière mais... Le temps ne porte pas préjudice au temps. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, je prends le premier item que j'ai. C'est ceci. C'est des quoi? C'est des petits fruits. Vegan. Organage. Fruits. Sec, naturel, c'est des petits bonbons, je suppose. J'ai envie de vous dire ça. Ça sent bon, en tout cas. Ça sent super bon. Ah, oui, c'est des petits bonbons tout mou. Ah, vraiment bon. En forme de banane. Bon, on va arrêter parce que après c'est de choper. Oh, il est trop beau le Marco Bache, il est trop beau. On voit pas trop bien, il a marqué un truc dessus, la peur est la sœur de l'imagination. De Rosalie Cartina. Il est trop beau. Vous voyez pas ce qui est marqué dessus. C'est ça qui est embêtant. Ah, oh, celui-là aussi est trop beau. Ah, oh, celui-là est encore plus beau. Oh, il est trop beau. Fait avec amour et son coupi de magie. Oh, il est trop beau. Il y a un truc qui m'ennuie. Puis on a le petit catalogue aussi, il est trop beau avec le petit chat. Non, c'est la petite gazette du petit colis d'octobre. Il est trop beau. Ah ouais, mais ça. On a les trucs dedans, les petits bonbons et tout ça. Puis vous avez les livres coup de cœur. Voilà. Les paroles d'un auteur. Vous allez entendre les motos qui passent. Désolée. Ah, une recette d'automne. C'est quoi? Je sais même pas lire la recette. Ça a l'air vraiment pas mal. J'aime bien les petites recettes. Après, on a ceci que j'ai déjà eu. Un peu triste. C'est un top bag. Enfin, top bag, non. Une petite pochette comme ça. Et il est marqué, la lecture commence les yeux fermés. Voilà. Ça j'ai déjà eu. Et du coup on arrive au livre. Du coup je chope celui-ci. Tadala. Vous voyez pas trop bien, mais quand même. Si seulement le tome 1. Je crois qu'il y en a deux, puisque ça c'est moi qui avais demandé chez Ego dans la collection New Roman. Et c'est Magali Incubert. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. Du coup, on va vous lire. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Cela fait longtemps que Alicia attend d'intervenir Liliane, l'université de ses rêves. Depuis la tendre enfance, elle veut devenir étudiante dans cet établissement de précision, au point qu'on le surnomme Y-A-L-E. Quelques jours à peine avant le départ, elle prend que son voisin va rentrer aussi. Luc est à la fois son ami d'enfance et celui dont elle est tombée amoureuse. Ils se font un peu éloignés à l'adolescence. Mais Alexia est ravie de savoir qu'ils se croiseront en cours.
et sur le campus. Peut-être comprendra-t-elle mieux ce qui a la séparé les dernières années. Luc regardera différemment comme sa jolie jeune femme qu'elle est devenue lorsqu'il semble se rapprocher d'elle. Elle est folle de joie, mais Luc est mystérieusement et complexe. Partageait-il sentiments ou jouait-il avec elle? Liane va découvrir que le passage de l'université ne lui remettra pas seulement des devoirs d'avocate qu'elle a toujours rêvé d'être, mais elle sera aussi une grande leçon de vie, la naissance d'un amour éternel. Si seulement. Il est trop beau. Ouais, il fait je sais pas combien de pages. Pas gros. Ah oui, il y a un deuxième tome, il est là. Je le vois là. 300 et quelque chose. Quand vous voulez toujours la dernière page, on sait jamais avoir 300. Allez. 98. 398. Et le dernier livre. Ta-da-da! Vous voyez pas trop bien. Et ton cœur qui bat, de Karen Ponte, aux éditions Pocket. Et si vous faisiez confiance à la vie. Il est tout petit, à part à celui-là, regardez, il est tout petit. C'est la suite. Parce que là, je l'ai. Il est tout petit. Donc, du coup, je vais vous lire la quatrième couverture. Quatrième de couve. Roxane est la créatrice d'un blog dans lequel elle rencontre ses péripéties tout dans le coin de la France. Pépite lente dans les artistes de jeunes femmes pourtant ronchant dans la culpabilité. Et haine, alors qu'elle doit retrouver un nouveau sujet, elle dépose ses valises dans un hôtel et peu particulier. Au meilleur ami de l'homme, vous retrouvez devant chaque chambre un petit chien abandonné que vous pourrez adopter. Ou non. Nous partons, mais dans cet hôtel, il y a également des personnes sages qui, malgré les cruautés, le destin se console grâce au petit bonheur de la vie et apprendront peut-être que Roxane retrouvera la force d'apprendre le lendemain. Il y a des larmes et des rires, de la tendresse et de la violence, mais surtout un espoir à la résiliation. Un roman à gérer en cas de coup de mou ou de baisse de morale. Histoire du soir. Tous les grands succès de Karen Paum chez Pocket. Voilà. Il est trop beau aussi. J'aime bien la couve. On voit avec un petit chien juste ici. Un petit chien. Et ben voilà pour cette box. Elle est terminée. Voilà. Je la ferme. Du coup, voilà. Pour les petits livres du jour. Dites-moi lequel que vous voulez que je commence en premier. Voilà. Que je pourrais peut-être que vous choisissiez un des deux pour que je le mette dans mon challenge du mois de novembre, par exemple. Voilà. Voilà. Si, dites-moi lequel que je dois commencer, celui-là ou celui-là. Si seulement ou ton cœur qui bat. Voilà. Et ces deux marque-pages sont trop mignons. Celui-là, c'est celui vraiment de la box. Et ça, c'est une créatrice. Annie. Il est trop beau. J'adore. Trop beau. Et en plus, ils m'ont entendu. Ils font des marque-pages plus petits. Et ça, c'est chouette. Voilà. Voilà. Et c'est bonbon. C'est aussi une tuerie. Bon, un petit peu déçu pour la pochette. Ali. J'en pique un. Voilà. Un petit déçu pour la pochette parce que j'en ai déjà eu un. Mais voilà, au moins Halloween, c'est super, c'est au top. Voilà. J'espère que c'est de décembre déjà. Voir les beaux cadeaux qu'on aura dedans. Enfin, les goodies.
Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!